à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va être, je pense, un vlog. Je vais vous emmener un petit peu avec moi tout au long de la semaine, ou alors principalement aujourd'hui, je ne sais pas encore, comment je vais m'organiser, mais ça va être un vlog sympathique. Il va y avoir une recette sympathique, un retour de course. Je vais installer ma déco d'automne. Oui, nous sommes le 2 septembre, c'est la rentrée scolaire aujourd'hui, c'est la rentrée tout court. Donc, go installer ma déco d'automne, même s'il fait 48 degrés dehors, c'est pas grave. On va faire comme si de rien n'était. Et voilà, donc ouais, aujourd'hui c'est la rentrée scolaire. On a déposé notre fille à l'école. C'est sa dernière année de maternelle, donc moi je suis un peu... voilà. Mais elle était pumped up dès 6h du matin, super contente. Elle s'est réveillée, elle m'a dit « Maman, ça y est, je suis en grande section aujourd'hui, je suis une grande fille. » Donc ouais, franchement, elle nous a vachement rassurés. Elle adore déjà sa maîtresse, ses copains, elle était ravie de les retrouver. Enfin, trop cool. Et on en a profité aussi, comme je suis libre aujourd'hui, on en a profité pour aller prendre un bon petit déjeuner en amoureuse, c'était délicieux. Et voilà, là je viens d'arriver à l'instant T à la maison, je vais me mettre à l'aise, je vais me changer, je vais emporter mon caddie et go faire les courses. Là j'ai un bon restock à faire, j'ai plus du tout d'égumes et plus du tout de fruits. Là je dois avoir une barquette de tomates cerises et une banane à moitié décédée. Donc là faut absolument que je fasse le gros plein parce que ce week-end ça a été super chill, je pense que ça s'entend, j'étais un petit peu malade. Et du coup, franchement, ça a été grave chill. C'était vraiment bien. Ça m'a fait du bien de ralentir un petit peu. En plus, on était en famille. Enfin, franchement, c'était super chouette. Donc là, go faire les courses. Je reviens et je vous fais un bon retour de course. Ça y est, je me suis mise à l'aise. Mon petit cabas, mon petit caddie. Comme je vais faire un gros plein, j'ai remis quand même un très gros tote bag. Et go, c'est parti! Me voilà enfin arrivée avec pas mal de péripéties sur le chemin, mais it's ok, je vous montre tout ce que j'ai pris. Je suis arrivée assoiffée. Alors, je vais commencer d'abord par le truc le plus lourd et le truc que je veux depuis maintenant 2 ans. Oui, ça fait 2 ans que je veux cette machine à café et à chaque fois je repoussais ou alors j'y pensais plus. Et là, je l'ai trouvée au Lidl à 40 €. Bon, c'est pas dans la couleur que je veux, c'est pas grave. Je pense que ça se fondra très bien dans ma coffee corner. Elle est noire, donc ça reste classique. Je voulais surtout pas de gris, surtout pas de rouge. Donc je suis vraiment contente. Et c'est celle-ci, c'est la Dolce Gusto Crups. Franchement, ça tombe à pic parce que je voulais trop me faire des boissons doudou pour l'automne. Donc franchement, je suis trop contente. Il y a tellement plus de choix. Moi, j'en ai une, je crois que c'est... Je me rappelle plus de celle que j'ai. Enfin, du nom. Attendez, je vais regarder. C'est la Tassimo Bosch. Et franchement, il n'y a tellement pas de choix de capsules. Vous avez vraiment des trucs classiques comme cappuccino, macchiato, café allongé, café au lait. C'est pas fun, vous voyez. Vous n'avez pas de trucs à base de pumpkin et tout ça. Et moi, j'adore. Donc franchement, je suis trop contente. Trop contente. Je vais l'installer. Je vais l'installer tout à l'heure après avoir fait mon petit ménage. Je me suis déjà pris deux boîtes de capsules. Je pense que je vais en racheter d'autres tout à l'heure après avoir cherché ma fille. Parce qu'en fait, il y avait que ça au Lidl. Il y avait café au lait, Lungo. Donc ce sera très bien pour commencer. Mais j'aimerais bien aller à Aldi. Apparemment, ils font aussi des capsules Dolce Gusto plus sympas. Donc j'irai voir tout à l'heure. Et celle que j'ai actuellement, je vais la donner à ma little sister qui s'est installée. Là, je pense que le plus simple serait que je déballe et que je vous montre au fur et à mesure, même si on va passer du shampoing à la courgette, au chocolat, enfin vraiment ça va être n'importe quoi, mais je pense que ce sera plus simple, plutôt que de tout vous installer et vous montrer ensuite, tout en sachant qu'il y a des trucs frais qu'il faut que je me dépêche de mettre au frigo. J'ai pris, c'est un peu écrasé, donc pas très grave, j'ai pris une pâte brisée et une pâte feuilletée. La pâte feuilletée, je vais faire une recette avec ma fille. Je pense que je vais vous filmer une petite vidéo et vous la publier sur Insta et TikTok. Peut-être en short aussi. C'est une recette à base de pâte feuilletée, de cannelle, de sucre et de pommes. Alors j'ai pris un assortiment de chocolat comme ça. Chocolat au lait et chocolat noir. Je pense que ça va être sympa au niveau de ma coffee corner. Pour la petite pause café, j'ai pris des kiwis
Des petits falafels comme ça. Je me suis dit que ça allait être sympa pour le boulot principalement. J'espère que vous m'entendez bien parce que là, avec ma voix qui est toute cassée, voilà. J'ai pris des flocons d'avoine, pareil pour une recette que je vais vous filmer pour cette vidéo-là. Ça va être une recette de granola à la cannelle et au chocolat. Et franchement, c'est trop trop bon. Donc j'ai pris du flocon d'avoine. J'ai pris du fromage que je vais mettre au frais tout de suite également. C'est du fromage frais pour ma fille. J'ai pris des petites pommes bio comme ceci. J'ai pris également des poires pour mon bébé. Elle adore ça. Les pumpkins sont revenus, je suis trop contente. Bon, je vous avoue, je l'ai plus prise pour ma déco d'automne plus que pour la manger. Mais elle est pas trop belle. Franchement, elle est trop trop belle. Donc ouais, une jolie petite pumpkin. Des petits poivrons pour le repas de ce soir. Des petits brosses à dents. Des petites brosses à dents pour mon bébé. Bon, après, je sais pas si je vous montre tout en détail. Est-ce que je vous montre tout en détail? Je sais pas trop. Des petites piles, des chewing-gums. J'ai fait le gros plein de shots. J'en ai pris 6 ou 7. C'est des shots de gingembre. En fait, moi, j'ai un extracteur de jus. Donc, je peux très bien faire mes petits shots à la maison. En plus, ma mère m'a partagé une recette qui est trop trop chouette à base de gingembre, de pommes, de curcuma, de citron, si je dis pas de bêtises. Mais en fait, moi, ça me saoule. Ça me saoule parce que le gingembre, à chaque fois, il se coince au fond de la machine. Donc, je suis obligée à chaque shot, parce que je suis équipée, hein, j'ai même les petites fioles et tout pour faire ce qu'il faut. Mais à chaque shot, il faut que je rince mon appareil parce que ça reste coincé au fond du couteau. Et franchement, ça, c'est trop la flemme. Trop la flemme. Donc, je me suis pris des shots de gingembre. Étant donné que je suis malade, je suis sûre que ça va me faire beaucoup de bien. J'ai pris du comté. J'adore le comté. J'ai fait le gros plein également de yaourt protéiné. Voilà, ça c'est plus pour le boulot. C'est pratique pour le petit déjeuner parce que moi je pars très tôt au travail et je ne déjeune pas très très tôt. Je déjeune aux alentours de 10h, 10h30. J'ai pas faim avant. Donc voilà, je me prends un petit yaourt, un fruit frais, peut-être une poignée d'amandes et c'est très bien. J'ai repris également de l'emmental, ça c'est plus pour nos bébés. Oui, on adore le fromage à la maison, on n'est pas Frenchy pour rien. J'ai pris des petits flambis comme ça, mon bébé, c'est sa passion du moment, donc go. J'ai pris des courgettes, des petits suisses, pareil pour mon petit chat, avec un petit peu de sucre brun, voilà. Pour le dessert, c'est bien. Encore un peu de fromage fouetté. Ça, c'est plus pour les grands, donc pour papa et maman. Ma petite boisson à l'avoine sans sucre ajouté. Moi, je suis team lait de soja, mais au Lidl, il n'y en avait pas. Parce que oui, c'est vrai, je ne vous ai pas dit, mais je suis allée au Lidl. J'ai pris également des petites crèmes dessert comme ça, protéinées. Je me dis pour le dessert, pour le dessert. Le soir, j'aime bien me poser devant une petite série et soit je me fais donc une tisane avec un petit carré de chocolat noir ou un petit truc comme ça. Ça m'évite de grignoter tout et n'importe quoi. Donc c'est très bien pour la touche sucrée. J'ai pris un petit melon pour le dessert de ce soir. Voilà. J'ai pris des petits déj comme ça pour ma fille parce que ma fille, le matin, c'est très compliqué pour elle de manger. Elle a du mal en fait à manger le matin, sauf que à midi quand elle mange du coup à l'école, elle a très faim et j'espère que ça va fonctionner, même si c'est pas la meilleure alternative étant donné que ça reste du très sucré, mais bon, je me dis au moins elle aura un truc dans l'estomac et puis ça lui fera plaisir. Et puis elle a 5 ans donc bon, c'est pas très grave quoi. Donc j'ai pris des petits biscuits petit-déj saveur yaourt et fruits rouges et saveur pardon cacao. J'ai pris, bon, mais ça c'est de l'adoucissant, classique. Du thon, bon, ça je vous ai montré les petits shots. Du thon, j'en ai même pris 4 parce qu'on aime beaucoup ça et ma fille adore ça. Et je vous avoue que le thon, ça me sauve la vie quand la veille au soir, j'ai rien préparé pour le repas du midi du lendemain, pour notamment ramener ma petite, ma lunchbox au travail. Et le soir également. Pour les soirs où j'ai vraiment une grosse grosse flemme ou grosse fatigue tout simplement et que du coup voilà, je veux quand même que ma fille mange équilibrée, qu'elle ait ses protéines, qu'elle ait ses féculents et ses légumes, je me dis une demi-boîte de thon, des petites pâtes au blé complet et un légume à côté et ça lui fait un bon repas. Et puis je vous avoue qu'elle adore ça comme ça maman, donc c'est très bien. Concassé de tomates, ça c'est pour ce soir, je voulais faire une espèce de ratatouille shakshuka, ça va être sympathique. Donc concassé de tomates bio.
Et champignons de Paris, parce que ça peut toujours servir et que j'adore les champignons. J'ai pris ça, c'est la nouvelle lubie de ma fille. Elle adore la grenadine, donc j'ai trouvé du sans sucre. Parfait. Voilà, de temps en temps, ça fait pas de mal. J'ai pris du sucre glace pour ma recette de beignets aux pommes que je vais vous filmer sur TikTok ou Instagram. Tellement des trucs. Bon, est-ce que je vous montre tout ce qui est non alimentaire? Je ne sais pas. C'est juste un masque pour les cheveux, du shampoing et du bain moussant et du gel douche. Voilà, comme ça au moins vous savez tout. Encore un shot de gingembre ici. Et pour terminer, là il y a de l'huile capillaire. Et pour finir, je pense que j'ai fini. Est-ce que j'ai fini? Non, j'ai pas fini. J'ai pris des boissons protéinées. Je me rappelle plus de la marque qu'ils ont copiée, Lidl, mais je ne me rappelle plus de la marque. Mais en termes de goût, c'est exactement la même chose. C'est des boissons protéinées, 35 grammes de protéines la bouteille pour environ 150 calories, un peu plus de 150 calories la bouteille. Donc c'est pas mal en snack ou après une séance de sport ou au petit déjeuner. J'ai pris du quinoa et du boulgour, ça fait super longtemps que j'en ai pas mangé. Donc quand je l'ai vu, je me suis dit go, quinoa boulgour. J'ai pris des petits biscuits comme ça c'est pas mal pour accompagner le café, soja et orange, des disques démaquillants, de la poudre d'amande parce que qui dit automne dit retour des porridges et j'adore la poudre d'amande dans les porridges, c'est juste trop bon. J'ai pris des petits biscuits, pareil, germe de blé, tendre chocolat. What else? Des noix de cajou, j'ai déjà le plein d'amandes, j'ai quoi? J'ai des noisettes, j'ai des noix du Brésil, j'ai des noix de pécan, j'ai des noix de cajou, mais mon bocal de noix de cajou est quasiment vide. Donc j'ai repris un sachet. Des petites céréales. Je vous ai expliqué mon désarroi concernant le petit déjeuner de ma fille le matin. Je ne la forcerai jamais à manger, donc j'essaye de trouver des alternatives histoire qu'elle ait quand même quelque chose dans son petit estomac d'amour. Donc j'ai pris des petites boîtes comme ça de céréales, des petites nectarines. Voilà, et je pense que c'est tout. Après, pour être honnête avec vous, j'ai pas trouvé tout ce que je voulais en termes de fruits et légumes au Lidl. J'ai pas trouvé de concombre, j'ai pas trouvé de banane, j'ai pas trouvé de raisin. Ou alors c'était pas, enfin la qualité était pas bonne. J'ai pas trouvé de, qu'est-ce que j'ai pas trouvé d'autre? Qu'est-ce que j'ai pas trouvé d'autre? Bon, de toute façon j'ai tout mis dans ma liste, donc c'est pas très grave, je recheckerai ma liste. Mais je vous avoue qu'il manque 2-3 trucs. Je pense que tout à l'heure je passerai rapidement chez Aldi, comme je vous disais concernant les petites capsules de café. Mais je vais quand même y retourner pour compléter mes petites courses. Et voilà les amis, go tout ranger, tout mon bazar. Là, j'ai très exactement 1h30, allez, 1h45 top chrono pour faire mon ménage. Je ne vais pas vous filmer le ménage parce que dans ma vidéo précédente, je vous ai montré ma routine, vraiment juste avant celle-ci, je vous ai montré ma routine ménage pour pouvoir entretenir mon appartement qu'il soit, de façon à ce qu'il soit constamment ou presque propre, rangé, organisé. Donc là, je vais faire ça très très rapidement. Je me donne vraiment 1h10, 1h20 max pour tout nettoyer parce que je dois aller récup mon bébé. Si j'ai le temps d'installer ma déco d'automne, yes, perfect. Si j'ai pas le temps, c'est pas grave, je le ferai tout à l'heure au retour après avoir récupéré mon enfant. Voilà les amis, souhaitez-moi bon courage, c'est parti. Bon les amis, c'est un peu la course là, c'est reparti pour un tour, je vais aller récupérer ma fille. Il est très exactement 16h15. Je dois être là-bas à max 16h30. Donc je file tout de suite. Je n'ai pas du tout terminé mon ménage. Comme vous pouvez le voir, c'est encore. Voilà. J'ai fini la cuisine. J'ai fini également le salon salle à manger. J'ai fait ma chambre, celle de mon bébé. Là, il me reste les salles d'eau, donc toilette, salle de bain, à lancer une machine et faire le sol. Voilà. Donc je suis quasiment à la fin. Je pense qu'en 30 minutes, allez, 45 minutes grand maximum, je pense que j'aurai tout terminé. En fait, le fait de ranger toutes les courses, de nettoyer le frigo, de ranger en fait, parce que c'était clairement le bazar, je pense que c'est plus ça qu'autre chose qui a fait que j'ai très, enfin, ça m'a pris plus de temps, quoi. Donc, it's ok, je vais récupérer mon bébé, j'ai pris un petit goûter avec moi pour elle, pour après l'école. On va acheter ce qu'il me manque, ce que je n'ai pas trouvé au Lidl ce matin.
Et ensuite, go au parc si elle est ok. Je pense même lui prendre sa petite trottinette, il fait tellement beau. Allez, c'est parti! Amis, on se retrouve à peu près 16, 17, 17, 18, ouais, on va dire à peu près 3 heures plus tard. Mon ménage est fait. Mets pas ça dans la bouche, mon trésor. Mon ménage est fait. Ma fille sort de la douche. Elle est toute propre. Elle a fait une activité pendant le temps que je termine de faire tout mon petit ménage. J'ai sorti ma déco d'automne. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors là, nous avons les petits coussins pumpkin, le petit lutin comme ça que j'ai acheté chez Action, que j'ai jamais utilisé encore. Pareil pour ce petit mélange de pommes de pin et de citrouille. Aussi, on a... il y a des autres citrouilles. Ouais, il y a plein de citrouilles. Là, vous avez des petits champignons, mes petites branches d'hiver et d'automne, mes petits mugs d'automne et d'Halloween. Là on a mes petits tapis que je vais mettre à l'entrée. Je sais pas encore lequel mettre, donc j'ai sorti les deux, je vais voir. J'ai ma petite pancarte welcome, j'ai également ma petite citrouille, ma citrouille lumineuse, il faut que je change les piles, ma guirlande pumpkin, ma petite collection de citrouilles dont je ne suis pas peu fière, franchement je les adore. Et que ça va s'allumer la citrouille. Le petit plaid d'automne avec les petits champignons et on a les housses de coussin comme ça, citrouille. La collection d'automne est loin d'être terminée. J'ai pas encore fait les magasins cette année, là on est que le 2 septembre, donc ça commence à peine. Faudrait que j'aille chez Action, faudrait que j'aille chez Maison du Monde. Qui c'est qui fait des petites décos comme ça d'automne? Vous avez aussi Primark qui en fait de très belles. Donc ouais, même dans des petites boutiques indépendantes, j'ai vu aussi de magnifiques torchons, je vous disais, citrouille chez Flying Tigers. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? J'ai vu, je crois, des petites assiettes, des mugs. Je suis désolée, j'ai ma pipelette derrière qui ne s'arrête pas. Là, il commence à se faire tard, donc je vais me dépêcher d'installer ma déco d'automne. Je vous montre le résultat juste après. On se retrouve quelques jours plus tard, et pas des moindres, on est déjà vendredi. J'ai essayé de vous emmener avec moi cette semaine, mais franchement j'ai eu une très grosse semaine, donc j'ai pas pu niveau organisation. Mais là, je m'apprête à filmer ma petite recette de granola, cannelle et chocolat, j'en ai trop envie pour ce week-end. Et là j'ai tout préparé, je vais vous emmener avec moi, je vais vous la montrer, c'est hyper simple et hyper simple. C'est parti pour la recette de granola hyper simple et très saine. Donc je vous avoue que moi habituellement je ne mesure pas, voilà, je fais tout à vue d'œil en fonction de ce dont j'ai envie. Donc là par exemple j'ai mis
deux grands verres de... Enfin, deux verres bien bombés de flocons d'avoine. J'ajoute un verre de graines de tournesol. Un verre de noix de pécan. Vous pouvez les concasser, mais moi, j'adore les avoir en morceaux. Pareil pour le verre d'amande. Vous pouvez très bien le concasser si c'est ce que vous préférez. J'ajoute des noix de cajou. Et encore une fois, vous pouvez modifier ça en fonction de ce que vous aimez. Si vous voulez ajouter des morceaux de dattes, des canneberges, des noix de macadamia. Enfin, vraiment, vous mettez ce que vous préférez, des cacahuètes. Enfin, vraiment, vous mettez ce que vous aimez, les amis. J'ajoute une cuillère à soupe de cannelle. Je mélange le tout. Je mets deux cuillères à soupe bien bombées de sirop d'agave. Encore une fois, vous pouvez mettre ce que vous aimez, comme du caramel, du sirop de date ou même du miel. Vous mélangez bien le tout et ensuite vous tassez au fond du plat. Encore une fois, c'est optionnel, mais si vous aimez qu'il y ait des copeaux bien croustillants, je vous conseille d'ajouter de l'huile de coco, quelques cuillères à soupe d'huile de coco ou même de la compote si vous préférez que ça reste sain. J'enfourne le tout et je n'oublie pas de surveiller, donc toutes les 10-15 minutes, je surveille que ça ne brûle pas. Dès que ça grille un petit peu, je mélange, je réenfourne. Là, on se retrouve le lendemain matin après que mon granola est bien refroidi. J'ajoute mes petites pépites de chocolat et je mets tout dans un bocal stérilisé. Encore une fois, vous pouvez complètement pimper votre granola, ajouter de la noix de coco, des morceaux de dattes, comme je vous disais, des canneberges. Enfin, vraiment, vous mettez ce que vous aimez, les amis. Ce matin-là, j'ai préparé un yaourt bowl pour ma fille et moi. Enfin, deux yaourt bowls, du coup, pour chacune. Pour moi, je me suis mis deux petits suisses, une cuillère à café de miel et j'ai mis deux belles cuillères de granola et franchement c'était incroyable, c'était trop trop bon, croustillant, un peu épicé, c'était excellent. Et j'ai ajouté de la purée d'amandes, mais pareil, vous pouvez ajouter de la purée de cacahuètes, de la purée de noisettes, vous mettez ce que vous avez, ce que vous aimez. On a accompagné nos petits déj d'un fruit chacune. Moi, j'avais très envie d'un kiwi bien frais. Voilà les amis, j'espère que cette recette vous a plu. Les amis, j'ai eu le temps de passer très rapidement chez Action tout à l'heure. Je vais vous faire un petit haul, ça va être très rapide. J'ai pas trouvé grand chose franchement, pourtant on est que début septembre. Donc j'ai pas trop compris, ils ont déjà sorti la déco de Noël. Je trouve ça hyper tôt, pourtant j'adore Noël. Mais là, j'ai à peine eu le temps de faire mon petit shopping d'automne. Donc un peu déçue, mais c'est pas grave. J'ai trouvé ce petit bougeoir. Franchement, il est plutôt mignon. J'ai trouvé des petites babioles comme ça, un petit champignon, une petite pumpkin. J'ai adoré ce petit champignon aussi en bois. J'ai trouvé des bougies qui font très Halloween, mais franchement, j'ai trop aimé. Des petits fantômes comme ça, c'est trop adorable. J'ai trouvé également ce trio hibou, hérisson et... J'arrive plus à parler, je suis KO. Hibou, hérisson et champignon. J'ai trouvé également ces trois classiques hein, chez Action. Il les ressort tous les ans. Ces trois pumpkins. J'ai adoré ça pour Halloween. J'ai trop trop aimé. Je les avais vus sur leur site internet. Et j'avais peur de ne pas les trouver. Donc franchement, je suis trop trop contente. Et ils s'allument. Donc trop bien pour le mois d'octobre. J'ai trouvé également cette petite bougie qui sent vachement bon. Voilà. Ces deux petites choses adorables, trop mignonnes. Ça peut être un peu quiche pour certaines, mais moi je trouve qu'en petites touches comme ça, franchement ça passe. Et j'ai trouvé également ce petit déco étagère comme ça que je vais mettre dans ma cuisine, que je vous montrerai après. Je pense mettre ça dans ma cuisine et mettre des petites décos comme ça. Je pense passer également une petite commande sur internet. Voilà, sur passer une belle commande sur internet de petites décorations d'automne. Faut que je me dépêche parce que là, le temps que je le reçoive, je pense que ça prend au moins une semaine et demie, deux semaines. Donc, faudrait que je m'y mette. Mais en tout cas, bon, je suis quand même contente de mon petit pactole, mais je m'attendais à mieux.
Donc voilà, j'avais vu de belles choses vraiment sur leur site internet, donc j'étais un peu déçue de ne pas les retrouver comme des petits torchons, tout ça. D'ailleurs, j'en ai vu chez Flying Tiger, il faut absolument que j'y aille. Mais voilà, c'est pas grave, je suis quand même contente de mes petits achats. Merci infiniment les amis d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, à la partager et à me dire en commentaire ce que vous en aurez pensé. Je vous attends du coup tout de suite sur Instagram. Je vous fais des très gros bisous, prenez grand soin de vous et on se dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!